L'américaine Sha'Carri Richardson a été sacrée championne du monde du 100 mètres, à 23 ans, devant deux Jamaïcaines, Sherika Jackson et la tenante du titre, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Lundi à Budapest. Richardson s'est imposée en 10,65, moins 0,2 mètres par seconde grâce à une fin de course canon, couloir 9, devant Jackson 10,72 et Fraser-Pryce 10,77. La fantasque américaine disputait ses premiers grands championnats. Après avoir été suspendue pour un contrôle positif au cannabis avant les JO 2021 et avoir échoué à se qualifier pour les mondiaux 2022 sur le sol américain, en difficultés personnelles et sportives. Richardson confirme ainsi son retour sur le devant de la scène de la plus brillante des manières après 2 ans en retrait point. Ce n'est pas tant une surprise au regard de la saison estivale, avant Budapest. La sprinteuse texane avait gagné 8 des 900 mètres qu'elle avait couru série comprise et elle comptait 4 des 7 chronos les plus rapides de la saison. Quintuple championne du monde de la ligne droite. Fraser-Pryce s'est étronnée mais elle obtient néanmoins, à 36 ans, la 6e médaille mondiale de sa carrière sur la course reine, la 15e au total, dans une saison lancée très tardivement. Il y a un mois seulement, à cause d'un genou récalcitrant. Jackson, la plus rapide cette année avant la finale 10,65, décroche l'argent comme en 2022.